Les obstacles majeurs de la mise en œuvre de la restauration en Guinée sont de divers ordres. Il y en a qui sont d'ordre technique, d'ordre économique, mais aussi d'ordre de communauté, donc social. Et les communautés qui sont impliquées dans le cadre de la mise en œuvre de la restauration, ce sont des communautés locales qui sont établies là, mais qui travaillent avec leurs maigres moyens, qui nécessitent un accompagnement, qui nécessite un renforcement de capacité, parce que déjà, c'est donc des communautés qui conservent ce qu'ils ont de plus, les ressources naturelles. Donc, si on va dans la levée de ces obstacles techniques, économiques, mais aussi sociaux, donc avec beaucoup de sensibilisation, on arrivera à une restauration réussie des paysages et forêts au niveau de la Guinée.